Yo les gens, ici Rafi 6750, on se retrouve pour mon 15e épisode sur un mode aventure avec Alex Hunter dans FIFA 17. Donc c'est parti, on va aller à l'essentiel directement, on va pas perdre de temps. Donc on fait continuer. Donc attributs, je sais plus si j'avais encore des attributs à faire monter. Ah ça a bien monté quand même, attendez. Caractéristiques, ok, 66... Ah, je sais plus si je pouvais en monter ou pas, je m'en rappelle plus. Est-ce que je pourrais mettre passe courte? Ah, j'ai pas assez de points. J'ai combien de points en vrai? Comment? Ah, j'ai 0 points, ok, d'accord. Donc c'est parti, donc on va continuer. Donc continuer. Hop, donc prochain match, Newcastle-Arsenal. Donc en espérant continuer d'en avancer, j'avais gagné des matchs. Donc incarner l'équipe, ok. Hop, incarner, contrôler l'équipe. Donc là, ça va directement, je n'ai même pas d'entraînement. Donc c'est bien, je préfère quand c'est comme ça que quand il y a des matchs. Quand il y a des entraînements, je veux dire. Hop. Donc là, on s'en fout. Donc j'ai 99 000 abonnés. Pas abonnés, mais qui me suivent sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai eu des messages, voilà, d'encouragement, etc. Alex Hunter, victoire 1-0, ok. Donc là, je crois que la vidéo précédente, j'avais pas eu d'objectif dans la mission, dans le jeu, je veux dire. Mon entraîneur m'avait rien demandé de faire. C'est donc une rencontre intéressante, hein, on l'espère en tout cas. Une rencontre de League Cup que nous allons suivre, Pierre. Ah, le parfum de la coupe, puis le bonheur d'être à tes côtés, mon petit chat. Mon petit chat, ok. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre Arsenal face à Newcastle United. Donc là, ça va être un bon match contre Arsenal. Voici donc la composition d'Arsenal. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Donc Alex Hunter, je sais pas s'ils vont en parler. Non. Oh, il en a même pas parlé. La composition de l'équipe visiteuse. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, un bras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais. Ah voilà, il a mis en attaquant de pointe. L'Emery Stadium qui porte ce nom pour les raisons commerciales, bien sûr, mais il y avait un autre nom à l'origine. Au départ, ça s'appelait Ashburton Grove parce que c'était le nom du quartier. Et puis, Arsenal a. J'aime bien les petites anecdotes qui parlent dans le jeu. Après, ça vous le savez, j'en ai déjà parlé. Par contre, c'est vrai que les commentateurs depuis Pierre Ménez, je trouve un peu moins bon que. Ah, comment il s'appelle? Wenger, là. Arsène Wenger, voilà. Je trouve que ça, Arsène. Arsène ou Arsène, là. Arsène Wenger, là. Excusez-moi. Et nous, c'est José Mourinho. Donc, ouais, même si je m'intéresse pas trop au foot, je connais un peu, minimum, on va dire. Au moins les noms des entraîneurs. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, Alex Hunter, vas-y. Oh non. Alex Hunter. Ouais, la frappe. Ouf. Ouais, l'arrêt du gardien. Dommage, dommage, dommage. Je sais même plus, on est classé combien. Je vais même pas regarder dans le début de la vidéo. Je crois qu'on a, on a remonté au classement, je crois. On a un meilleur classement qu'on avait au début. Au début, je crois qu'on était 9e. On fait tourner. En fait, j'y vais, c'est pour faire monter un peu l'adversaire, pour placer que l'équipe reprenne un peu du galon, on va dire. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, dommage. Ouais, il l'avait senti, la talonnade. Hein, il s'est pas laissé prendre. Ah non, c'est clair. Il a bien géré, le mec. Donc, mais. Ouh putain, bon joué là. Bien joué. Oh, on les bute. Dommage, 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 dommage. Inscrit en première période, rigole-t-elle pour lancer une rencontre. Ah, belle tête. Hein, dommage. Superbe, il met exactement dans le ballon où il a envie de le mettre. La belle détente. C'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. Hein. Pour pas gagner tous les coups, moi je dis. Hein. Si ça sert à rien de faire des vidéos, c'est pour gagner tous les matchs. Faut quand même de l'enjeu, on va dire. Leur temps, ils posent le jeu. Par contre, c'est un peu chiant parce que je veux que c'est Alex Hunter qui marque
Et la voilà la frappe. Oh, dommage la frappe d'Alexandre. Sort le grand jeu vraiment sur cette action. L'arbitre. Dommage. Il va y avoir un bon coup à jouer là. Ah, peut-être reprendre la balle. Jeffrey Adelaide. Ouais, qu'est-ce que tu fais là? En plus, ça passe super vite le temps, je trouve, comme j'ai pas mis beaucoup de temps dans les mi-temps. Mais bon, après, on peut pas gagner à tous les coups, hein, sinon. Pareil, quand il y a des youtubeurs qui font. Bah, d'autres youtubeurs font des vidéos, je pense qu'ils gagnent pas tous leurs matchs, sinon ce sera un peu bête quoi. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, dommage! Par le défenseur, dommage. Il s'est fait prendre la balle. Rolando Arons. Oh, mais. La frappe. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Ils ont vraiment de la chance, les mecs. Pourtant, j'attaque sans prêt. J'attaque vraiment mon bien placé. Je joue bien, franchement, on peut pas dire que je fais un mauvais match. C'est juste le coup de match chance, on va dire. Ah non. Je sais même pas si. Attends, ce que. Je vais regarder juste si j'ai des objectifs. Attendez. Non, j'ai rien. Non, j'ai pas d'objectif pour ce match-là. Le jeu ne paraît pas évident du tout. J'ai pas d'objectif pour ce match-là. J'ai. Je veux dire que je suis libre de faire ce que je veux, on va dire. Sans même si Hunter marque pas de but, alors, c'est pas grave, je veux dire. Oh putain. Le face à face avec le gardien. La frappe. Oh ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaque. Bien joué. Bien défendu. On va essayer de construire. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Ah non, mais à chaque fois il me prend la balle à chaque fois. Coquelin. On jouera 2 minutes de temps. Ça va, de toute façon il y a encore un mi-temps derrière. Ouais, c'est bien dosé ça. C'est possible de mettre 2 buts. Possible, ça n'en prend pas un troisième, un deuxième, ouais, je veux bien dire. Vu ce centre, mais c'est le ah non, bah pour l'instant il y a 1-0. Voilà, pas terrible la première mi-temps. Mais bon, c'est déjà ça. Principal, c'est de d'avoir fait quand même le jeu. Oh, c'est qui est sorti là, certains supporters se sont. Ah, c'est comment il s'appelle, c'est l'autre qui est rentré là, son rival, c'était son ancien rival qui est rentré, je pense que c'est lui. Il veut faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, il a un peu de... Non, et ce ballon qui est perdu. Ah non, finalement ce ballon est rendu à l'adversaire. Ah, c'est lui qui est rentré, je crois, Williams, voilà. On va dire David Williams, je sais plus comment il s'appelle. On va l'appeler David. Coquelin. David Williams, on va l'appeler. Hop. On va lui donner ce nom là. Alex Iwobi. Je sais plus comment il s'appelle, je sais que c'est Williams, mais qui va faire rentrer du son prénom, oui, après. On va voir si les changements vont entraîner un... Moi je m'en rappelle pour. Rolando Arons. Daniel Williams. Ah voilà, Daniel. Bien. Voilà. Ils essaient d'étirer ce bloc. Jolie séquence de passe. Rolando. Ah, le but. Oh. Oh oui, le but. C'est l'égalisation. Belle petite phase de jeu collectif. Voilà, excusez-moi, j'en perds mes mots. Nickel. Ah, quelle est belle cette égalisation. Franchement, j'ai géré. Importante également, surtout. Hein. Oui, elle est importante parce qu'elle vient. Donc, pour l'instant, on tient nul, donc c'est ce qu'il faut. On relance à Iron, sœur. Je sais pas si ça se dit Iron. L'entraîneur qui le fait sortir. On en profite pour revoir son but. Et Moussa Sissoko qui rentre. Et ils égalisent donc un but partout. Allez. Les gars, on peut y aller. Allez, les gars. Ouais, plus Newcastle, c'est pas un petit club, je trouve. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont pas en Ligue 1 avec Manchester. Ça, je n'ai pas compris. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public.
Donc c'est bizarre. Anita. Alexander. Oh non, trop forte. Dommage. Il touche pour Arsenal. Dommage. Arrêtez bonne la place sinon. Alex Iwobi. On a encore 30 minutes là. Pas 30 minutes en vrai, mais 30 minutes de jeu, on va dire. Il récupère le ballon sur cette interception. Hunter, peut-être un bon coup à jouer. Ah non. Ah non, ça n'ira pas. Dommage. Ouais, de toute façon, il y a. On appelle ça. En sortie de but. Ah non, je pensais qu'il y avait corner. Tandis que la possession du ballon apparaît à l'écran. Ouais, pour l'instant, ça se tient. Alex Hunter à l'attaque, il gagne du terrain. Ah oui. Oui. Hunter. Ah oui, le but. Bien joué, Alex Hunter. Il passe devant, score. Ah, bonne construction également sur cette action là. Franchement, j'ai géré. J'étais un peu sous pression au début du match, mais là, ça y est, on est libéré. Ouais, ouais, trop les laisser jouer. Nickel. Voilà ce qui arrive. Vous voyez, le 1-2 là, direct. Quand même, hein. Puis plutôt agréablement, puis, enfin, bah, ils sont pas. Bon, après, tir un peu facile, mais le principal, c'est d'avoir marqué. Plus il va avoir une bonne note. En espérant qu'on aura une scène scénarisée à la fin du match. Il y a longtemps que j'en ai pas eu. Arsenal se retrouve donc mené. Je crois que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas eu. Coquelin. Bah dites-moi dans les commentaires si vous avez joué à FIFA 17 et à ce mode là. Et si vous avez joué vous l'équipe ou le joueur. Donc c'est je voudrais bien savoir. Et ce que vous avez pensé de ce mode de jeu. Matrici. Ouais, la passe. Missile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ah dommage, la passe elle aurait été belle. Gabriel. Un duel pour la récupération du ballon. Les Gunners qui sont toujours menés d'un but. C'est clair. Dans cette fin de match. Et pour l'instant, je dis que ouais, on peut pas dire qu'on a volé notre victoire parce qu'on a gagné. Bah, on est revenu après premier but ouais, la première mi-temps. Bien. Bon, franchement, on n'a pas volé notre victoire. C'est même mérité, je trouve. Et on a eu plus d'action qu'eux. Les propres, efficaces, très bonne interception. Oh, elle est passée. Le score qui n'évolue plus. Et deux équipes qui font vraiment jeu égal hein, pour le moment. Oh, elle est passée. Ouais, joli conservation du ballon. Anita. Il prend sa chance. Ah, dommage. Hors jeu. Cette action. Ah non, hors-jeu, je pensais qu'il y avait faute. Ouh, il y a un hors-jeu. Ah oui, c'est Alexandre. Ah non, c'est pas. Je pense pas que c'est Alexander qui a hors-jeu. Ce que j'ai fait là. Williams. On jouera 3 minutes en plus. 3 allez, on va essayer dans ce foutin là. Oh, l'occasion. Un problème pour le gardien. Il a tenté son coup là. L'occasion pour eux de se mettre définitivement à l'abri. Attention à la retombée. Choisis la frappe. Ouais, voilà. Donc, bah, victoire. Fin du match et c'est terminé. 2-1. Ce score serré de 2 buts à 1. Nickel, franchement, bonne opération pour ce match. Il s'explique par une excellente prestation offensive. Ah, c'est fou là, lui. Ozil, il est à Arsenal. Pierre, qu'est-ce qu'il faut retenir du match Bah, dites-moi si je me trompe ou pas, mais Ozil, il est pas une super Arsenal. Prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Puis il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci. Il était pourré à l'avant. Oh, peut-être que ça a changé. Non, c'est pas Ozil. Oui, c'est Ozil, oui. Ouais, c'est bizarre, il me semblait pas qu'il était à Arsenal. Bon, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous. Pour m'éclairer ma lumière, parce que là, ça me dit rien. Après, je suis pas beaucoup le foot, donc. Elle fait cup. Donc, je sais pas, on est combien là, options. Ah, je pense pas qu'il y aura de scène scénarisée. Ah, c'est chiant ça. Ça aurait été bien d'avoir une petite scène. Dommage. 67, tiens, points de compétence. Non, continuer. Attribuer points.
Points de compétence, ça, j'ai peut-être des points de compétence, non? Ah oui, j'ai des points de... Donc, je sais pas quoi mettre, moi, à chaque fois, je sais quoi, c'est à l'endurance. Second souffle, je vais mettre ça déjà, peut-être, je pense que je vais mettre ça. Oui, je vais mettre ça, ouais. Continuer, donc, je sais pas s'il va y avoir une vidéo. Non, donc, bah, voilà. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de cinématique, on va dire. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. Donc j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Donc moi je vous dis une prochaine pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Ça va, bye, portez-vous bien!